soleil tout juste se lève. Elle s'affole pour ton gant. L'odeur des épices embaume l'air. Seuls les cailloux crissent sous ses pas. En chemin vers sa tombe, elle repense à ce jour béni, quand cet homme l'avait guérie. Il n'était pas comme les autres prophètes. Son choix dès lors était fait. Elle commença à le suivre, soutenant comme elle pouvait, par sa richesse, son aisance. Elle a entendu tous ses discours, un espoir sans pareil, toujours la main tendue vers les plus faibles, les rejetés. Pardonner tant de malheureux, rendre la vue ou la vie, mais la menace qu'elle redoutait sur lui s'est abattue. Ses larmes de peine, consternée, elle arrive face à l'entrée scellée dans la nuit, qui poussera pour nous la lourde pierre. L'incroyable soudain s'est produit, le sol tremble et libère l'entrée. De frayeur, elle pousse des cris. Sont ces hommes vêtus de blanc, où se trouve le corps de Jésus? Il est revenu à la vie, le rassure l'un des hommes. Vous ne le trouverez plus ici. Prise de peur, elle s'enfuit. Sa montre de courage, Marie décide de prévenir les 11 fidèles du maître, mais les disciples la croiront-ils? Son témoignage ne vaudra rien, mais Pierre et Jean la suivent. Constatent que le tombeau est vide, ils repartent aussitôt l'annoncer. Elle reste là près de l'entrée et pleure, son cœur déjà si douloureux se brise dans sa stupeur. On a volé le corps de son sauveur. Sous le coup de grâce, elle s'effondre. Pourquoi pleures-tu? Demande-t-il. C'est le jardinier, songe t-elle. Un coupable potentiel. Dites-moi où vous l'avez mis. Une voix si familière l'appelle soudain Marie. Ahurie, elle le reconnaît. Maître, s'écrie-t-elle. Elle aurait voulu toucher ses pieds, manifester sa joie, mais doucement il l'arrête. Ne me touche pas maintenant, annoncer à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Oui, la première, elle a revu avant même que Dieu ne